On est où là? Alors, là, dans mes souvenirs. Non, mais en gros, il faut qu'on explore. Il y a un truc à explorer normalement aux alentours. Il faut qu'on explore les alentours, qu'on trouve le grappin pistolet. Ouais. Qu'on grappine le pistolet où il faut grappiner le pistolet. Et on monte et on va voir ce qu'il y a. D'accord. C'était très clair. Mission grappinage, okay. Quoi. Là, c'est voilà, clair. Donc là, on est en 26-35, c'est ça. On était au sud ici. Et normalement, du coup, c'est ça. Dans le coin, il devait y avoir des tentes qu'on avait oubliées en fait. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est vers ici, on a oublié des tentes. Il y avait un truc à explorer. Donc ça, il faut qu'on retrouve. Premièrement. D'ailleurs, on y est en fait. Ah bah, attends, mais... En fait, c'est là. Non, attends, il y a un truc bleu. En fait, on s'est installé. Si c'est ça, c'est vraiment épique. Hein. Ah, mais ouais. C'est ici. En fait, on s'est vraiment installé dessus sans le voir hier parce que on va dire qu'il faisait nuit. Bah, il faisait nuit, il faisait nuit noir, on ne voyait rien. On va dire qu'il faisait nuit. On va dire qu'il faisait nuit du coup. Tu sais que moi, on s'est installé à côté d'un camp, ça se trouve, il y avait tout ce qu'il fallait dedans. En fait, on s'est installé vraiment dans le camp limite, tu sais, sans le voir. C'est quand même incroyable, hein. Il n'y a que nous pour le faire. On a débloqué un dialogue du coup. Ouais, vas-y, let's go. Tu vas pas y croire, bah tiens. You're not gonna believe this. Mais elle ne nous répond plus, oui, c'est ce que j'allais dire. Elle ne nous répond plus maintenant, c'est ouais, terminé. Ouais, c'est vrai qu'hier, on l'avait un peu harcelé aussi. Hein. Harcelé... Moi, ça fait longtemps que je l'aurais lâché. Hein. Hop. Il refait une... Oh là là, oui, j'avoue que... Je regarde si on peut pas manger quelques trucs sur la table. Il y a du bœuf séché, là. Oh, j'arrive. Mm. Ah, mais je la voyais même pas, là-dedans. J'enlève ça, je peux prendre. Bah prends-le, là, il y a du bœuf, là. Ah oui, merci. Oh, on pouvait vraiment dormir ici, quoi, ça dégoûte, on pouvait sauvegarder et tout. Ouais, oui, on pouvait tout faire ici, hein. On est vraiment des gros aveugles. Blaireau, et il y a la carte. Oh, il y a une carte. C'est quoi? Ah, mais attends, mais là, c'est... Waouh. Il y a combien de cartes, là? Attends, je suis perdu. Ça, ça démarre en 39-19. Ça, c'est en 37-26. Donc ça, en fait, c'est la suite. La nouvelle... Ah, voilà. Là, il y a le pistolet grappin. Donc là, c'est là où on était. Et là, on est à ces, on est à ce truc-là, du coup. Ah, et du coup, sur l'île... Il y a, encore une autre île, en fait. Il y a deux îles. Oh, la vache. Il y a des points partout encore à explorer, mais what. Donc d'ici, en vrai, moi je suis chaud, on va plein est sur l'île. Et ensuite, on remonte nord-ouest sur l'autre île qu'on n'a pas fait non plus pour voir s'il y avait quelque chose, même s'il n'y a pas de sens. Oh. Ah, mais là, il y a un truc, là. Ouais, un mec qui chante. Ah ouais? Parce que moi, de mon côté, j'ai, je peux ouvrir la tente, là. Enfin, la tente. Il est assis en train de chanter, le mec. Sérieux? Merde, on va rentrer. Ouais. Vas-y, viens, rentre. Ouais, vas-y, vas-y, go dans la tente. De radeau hein, sur le jeu. Ah non, radeau, je crois pas. Oh non, non, je crois, ah, pas. Je crois pas. Bah, c'est oh, un truc. Oh, tu te fais désinfecter. Ouais, prends ta douche aussi. Là. C'est bon, je pue plus. T'en as besoin. Il faut un échantillon de sang ici. Oh, ok. Ah, il faut que je boive. Il y a des mecs dehors qui s'énervent en plus. Ah oui, c'est vrai, je les entends. Observations on Quassia Amara, a shrub from the Samarobaceae family. Allez, distinctive characteristics. Its flower contains chemical compounds, quassin among others, which make this shrub one of the most bitter plants in the world. Mais il va rentrer dans la tête, ce mec, hein. J'ai mis l'échantillon là. Unfortunately, aside from this usage, I haven't found evidence of any other. Et maintenant, il faut un test sample. Il faut un échantillon test maintenant. Ok. Mais oh lé lé. Est-ce que l'échantillon, on n'irait pas le récupérer sur lui là? Moi ouais, je pense qu'on va, on va le déboîter et puis ça sera bon. Hein. Eh hey, mais. Je pense qu'il nous détecte de l'autre côté, c'est pour ça qu'il est en mode. Hey. Ah bah oui, hein, c'est sûr. Hein. On va sortir, ils vont nous attendre avec les lances. Vous venez maintenant. Ah mais non, mais moi je sors pas. Mais moi je moi, suppose je qu'on plus, habite là. Ici. Hein. Je meurs. Non mais du coup je sais pas du tout où est-ce qu'il y a l'autre échantillon. On a dû le manquer, il doit être là non forcément. Non.
Il est pas là. Attends, c'est quoi? Ah bah attends. GW, ne pas toucher, échantillon, burn, homme. C'est quoi qu'on doit mettre ici alors? Je pense savoir, mais je veux pas interférer, enfin bouger l'histoire quoi en disant ça, tu vois. Bah du coup c'est pas ici quoi. C'est pas ici le truc à mettre. Ok. Donc faudra revenir ici en fait. En fait, ça, ça te donne accès à la deuxième fin du jeu. Mais il faut trouver. Ok. Il faut trouver qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur. En fait, t'es pas forcé de revenir là en fait à ce moment, genre fini de l'autre côté. Ouais. Okay, donc ça, c'est le genre de truc qu'on va oublier parce que voilà. Et c'est le genre de truc très difficile à savoir. La première fois, la personne qui a trouvé la seconde ending, il lui a fallu une semaine pour trouver la deuxième ending. La toute première personne qui a trouvé la seconde ending. Ouais, donc nous, on fera jamais ça, quoi. Autant le dire. Ah, mais oui, c'est ça, c'est évident. Je propose, on va faire une petite save. Allez, moi j'ai une soif incroyable. Je vais faire la petite save. Petite je vais mettre save les cocos. Calendrier sur la table, si je te dis pas de bêtises. Là. Ah ouais. Je savais que c'était sur la droite, mais je cherchais en haut. Oh, fais gaffe. Attends. Hop là. Il y a encore les mecs ou sont partis? Je sais pas, je vais pas de leur côté. Et là, du coup, on va aller vers l'île qu'on a dit, donc plein est. Voilà. Vas-y. Normalement, ça te remet bien, hein, ça se remplit pas mal. Hein. Ouais, ça va. On y va. Ok, donc là, il y a encore un nouveau truc. Préparer, oh, boire un autre. Oh bah non, hein. Ça suffit. Oh non, le rituel, là, c'est bon. Oh hein, non, et hein. Faire un petit feu, ceci, cela, les ordres, comme d'hab. Ah non. Oh, vas-y, je me coltine le feu. Vas-y. Mais attends, ça veut dire... Ah, mais c'est bon. Voilà, c'est bon. Je veux faire leur braise, ils vont être contents. Il y a ce qu'il faut à côté. Ah, ça va. Vas-y, je... Ah, un des deux trucs, hein. Bon. C'est toujours ça de pris. Ah, c'est quoi, cette fleur inconnue? Ah bah, je peux pas la prendre. Pourquoi tu peux pas la prendre? Parce que j'ai plus de place. Ok. J'allume. Alors, attends, moi, apparemment, j'aurai un truc sur moi, c'est le Banisteriopsis. Et toi, c'est quoi que t'as vu? C'est le Psychotria ou c'est le gros arbre? Non, non, le Banisteriopsis, la liane. Ouais, le banistérieux là, c'est la liane à côté. Bah, ça, j'en ai un du coup sur moi. Et il nous faut un psychotria. Ouais, moi aussi. Oh, il est en code bleu. Là, t'as des fruits là, si tu veux, là où je suis. Ah, j'arrive. Ça va être bien. Mmh. Ah, puis ça donne de l'eau. Top. Merci. Bon, il va falloir qu'on le trouve du coup. Avec la nuit. Magnifique. Alors. Un petit psych. En fait, ce truc-là, je vais toujours en garder sur moi de base. Ah bah si t'en as un peu plus, ouais. Bah il pourrait mettre juste à côté ce qu'il faut en fait. J'ai. Oh, trop bien. Ah oh, c'est bon, je l'ai, je reviens. Attends, c'est par où? Je t'avouerai que j'ai même pas bougé de loin. Mais non, j'ai oublié que ça allait reset, donc je t'avais mis ça pour que tu boives, mais au pire, tu bois quand même au cas où et. Ouais. Et au moins je récupère, j'ai pas envie de les oublier après le truc. Et c'est reparti pour un tour. Allez, on connaît la recette, on va être drogué. Il va y avoir des effets psychédéliques là. T'aimes pas trop toi ça en plus, ces effets là. Alors figure-toi que je déteste ça. Oh là, par contre... Oh, le serpent. Le serpent. Oh, un serpent. Ah ok, bon j'attends. Elle m'a spoil. Mais je sais pas où t'es moi. Je suis en qu'on est au même niveau. J'avance doucement moi. Attends. Tu crois? Quand tu vas avancer tranquillement, il y a un copain à toi par terre. Tu vas voir, tu peux pas le rater. Copain à moi par terre. Ouais, il y a des perroquets. Et entre deux perroquets, il y a ton copain. Ah, je l'ai raté. Ah, mais c'est un crapaud mort. Ah oui, d'accord, oui. Alors un copain comme ça, en plus, c'est pas sûr que j'ai cherché. Chercher lequel, un puma? Bah, je sais pas, un copain en moi, je pensais pas un crapaud là de suite. Là, t'es où? T'es devant la porte? Là, je viens d'entrer. Ok. Dans le couloir, hein, le. Ouais. Genre, j'ai la porte en face de moi là, tu sais.
Pareil. Là, je la pousse maintenant. The doctors gave me 6 months. How am I supposed to live my life when time is running out? How the fuck do I... I just can't. I can't do this anymore. I wake up next to you every day, knowing there's no future for us. I just can't take it. The pain? I want to end it and just be done. It feels like someone is holding my heart in an iron fist, and I can't breathe. I just lie there and look at you. Il y a un truc à lire de spécifique. Je suis pas encore réveillée dans la salle. C'est bon. Bah là, c'est tous les trucs, hein. Ah, c'était sûr, ok. Celle que j'avais pas fait. You chose me, not knowing the cost. Would you do it again? Or was the price of healing me too high? Ah, il va falloir la tapoter là comme d'habitude. J'avoue que par contre, si t'as envie de vraiment tout lire, c'est un peu vénère. Ah bah je te dis, moi j'ai vraiment tout lu, hein. J'en pouvais plus. Hein. À la fin j'en avais marre, j'avais envie de tout dégager. Ah ouais, non mais c'est trop. Hein. Mais l'avantage c'est que vu que t'as tout lu, tu t'en souviens et tu peux nous faire un petit compte-rendu des infos importantes, toi. Oh non, c'est chiant. Non mais infos importantes, ça veut dire genre tu fais 2 phrases pour expliquer, genre je te demande pas de... Non mais info importante, je me souviens pas de tout franchement. Tu te souviens de quoi? Je me souviens d'une infection qu'il y avait eu au Brésil qui a tué plein de personnes, ça je m'en souviens. Ouais, ça c'est ce qu'on est en train de dire. Ah non, mais je ne sais pas encore, moi je suis un peu décalé par rapport à toi. Ah ouais? Moi okay. J'ai tapoté il y a très peu de temps. Là j'y suis. Ok. Là j'y suis. L'épidémie machin. Incontrôlable. Ouais, t'as des journaux en gros justement qui parlent d'infection au Brésil. Shutting down airports, seaports, and now this? They are isolating the entire continent. Je crois que ma game elle est finie. Pourquoi? Ah oui, bon, d'accord. Bah, j'ai wellplay, hein. Ouais, bah moi aussi je viens de prendre une flèche, ça y est. Et sur ça, je voulais rien dire. Sûrement le monsieur qui chantait depuis tout à l'heure. Oh, tellement stylé là-bas. Je me suis coincé. Putain. C'est plus stylé en face que ouais. Sous mes pieds. You think I was worth it? Cette séquence, elle est prenante, je trouve. En attente d'autres joueurs. J'arrive, je suis tombée dans les cadavres. C'est bon. Non, mais cette séquence, elle est... Attends, mais... Pistolet à grappin. Tadam!
Mais on est où là? On voit la map. Donc on est où? 25-31. Donc 25-31, bah on a oui le logo avec le. On a un logo Mais en fait, on a été sur l'autre île. C'est parfait. C'est une île qui nous a fait aller sur l'autre. Okay. On a gagné du temps. C'est pas prévu. On comptait venir l'explorer, celle-là en plus. Ils ont lâché le travail. Mais oui. Par contre, ça fait tellement mal au cœur, sa femme qui a une tumeur. C'est fini ta phrase? Ouais. En fait, j'ai voulu faire une suite et je me suis dit, oh, tu as parlé trop longtemps, tais-toi. Je m'en suis rendu compte après. C'était tellement bizarre ta phrase. Bah ouais, parce que j'avais mis l'intonation pour faire une suite. Non, mais ça fait grave mal au cœur. Elle a une tumeur et la meuf, elle est en mode. De toute façon, il me reste 6 mois à vivre. Je me vois pas faire la suite de mes jours avec toi. Alors, un truc que j'ai pas compris, c'est que sur l'une des notes. Et après, il parlait, j'essayais d'écouter en même temps, donc c'est vrai que c'est pas évident de se focus sur plein de trucs, mais sur l'une des notes, sur le lit, tout à l'heure dans la cinématique, je voyais marqué, tu sais, absence de cellules cancéreuses ou je sais pas quoi, et j'étais en mode, mais du coup, elle a rien, mais ça se passe comment? Mais du coup, elle est sauvée? Je sais pas, j'ai pas vu. Mais non, mais ouais, j'ai pas trop compris, mais bon, c'est vrai qu'avec les dialogues et tout, c'est dur de tout suivre en fait. Le top, ça serait de vraiment prendre le temps de tout lire. Mais après, il y a pas mal d'informations. C'est toujours pour dire la même chose. Oui, c'est ça. Moi, j'ai la flemme. T'as lui qui, qui harcelons les sociétés à chaque fois de médecine et tout, en mode, mais il faut trouver un traitement et tout. Les mecs, ils sont en mode, bon, vous nous donnez pas la thune, d'accord? Donc, on vous aidera pas. Et t'as pas mal de trucs qui répétaient comme ça en boucle. T'as l'histoire de l'infection au Brésil aussi, qui est répétée pas mal de fois. C'était ici? Oui. Ah oui, c'est là. Voilà. Du coup, là, on est là de nouveau, nouveau chemin. Tadam! Nouvelle zone. Qu'est-ce qu'on va trouver là, du coup? Notre femme. Hein. C'est le truc. Mais t'étais là depuis le début, Mia? Bah oui! Elle est bien quelque part. Hein. Bah, au bout d'un moment, ouais. On vient la retrouver. Ah, ça fait plaisir d'avoir les stats à fond par contre. Ça, c'est vraiment le bonheur. Hein. Je sais pas, je les ai tout le temps à fond. Attends, si je retrouve. Oh! Il est où? C'est une araignée, ça. Oh shit, tu l'éclates? Je sais pas où elle est. Je la vois pas. Hein. Eh merde. Bon, on va s'éloigner en cas où. Ouais, on s'en va. Hein, on s'en va, c'est très bien. Tu vas la tuer? Non, j'ai peur. Un iguane? Ouais, un iguanodon. Ils sont mignons. Du coup, il y a le point H à aller chercher. Ah oui, juste là-bas, je vois qu'il y a un truc. C'est pas la bonne direction, logiquement, mais juste. J'ai l'impression de voir un truc là-bas. Ah, c'était ça que je voyais. C'est pour redescendre? On dirait. Le seul truc que je me souviens pas par contre, c'est par rapport aux indigènes qui étaient prisonniers dans le camp là de où ils faisaient de la drogue. Juste si jamais, je crois que c'est le début ça. Je crois que ça c'était le tuto ici. Ah oui. Je crois qu'on commentait ici. Ouais. C'est notre tente de tuto ça. Exactement. Mais vas-y, continue, pardon. Juste le seul truc que je me souviens pas, c'est les indigènes étaient enfermés dans des cages par les mecs des cartels. Mais je me souviens plus dans quel but en fait. Je me souviens plus. Je sais pas si l'on dit. Hein. Mais justement, ouais, je me souviens pas. Je vois rien du tout. Après, dans quel but? C'est en mode les mecs ils arrivent. Bon, j'avoue, ils auraient pu juste les tuer en fait. Mais... Après, vu qu'il y a. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas du tout. Bah, en fait, on est venu là, mais du coup, il y a rien d'autre. C'est bizarre. Bah en fait, ouais, ça c'est le camp de tout début du jeu. Ok, ça, donc là il nous resterait un point en bas. Bon, il y a le point du haut qu'on a toujours pas fait. Je suis pas sûr que tous les points soient utiles par contre. Je pense pas qu'on soit obligé d'aller à tous les points honnêtement. Non mais voilà, bah là écoute, je sais pas si on peut traverser en sud-ouest. S'il y a un chemin pour y aller, ça a l'air d'être assez compliqué d'accès. Mais soit ça, soit nord-ouest. Le point avec le trident là, espèce de... Ouais. Après, on est plus proche du truc avec le trident, mais après,
On peut aller voir, comme tu veux, toi qui me dis. Ouais. Bah vas-y, go trident. Go trident ? Allez hop. Vas-y. Bon, un coup. Ouais, c'est là où tout commence dans ce jeu. Allez, vas-y, prends l'élan. Vas-y, vas-y. Là, t'es censé me dire, t'es en train de faire une boulette, tu vas te briser les jambes. Et ça, au lieu de ça, c'est. Allez, vas-y. Ah, vas-y. C'est comme je suis, la survie, vas-y. Oh, oh. Ah, mur invisible, non? Je crois que c'est compliqué. Oh, là, ça... Allez, vas-y, prends l'élan. Ah. Vas-y, vas-y. Ah. Ah. Ouais, je crois que c'est compliqué. Je crois que c'est pas utilisé pour hein, le truc. Ouais, je pense que c'est cuit. Hein. Piquer quelques bananes. Il me dit de regarder vers le haut. Il pleut. Ah ouais, là il pleut bien. Hein. C'est le débile de base. Il y a de la pluie. Il pleut. Je pense peut-être qu'il y a un grappin quelque part, mais... Il pleut. Ah, oh, faut trouver un chemin. Mais je pense qu'on approche vraiment de la fin, là. C'est ce que tu as dit hier. Parce que, bah, ouais. Parce que pour moi, le trident, pour moi, c'est la fin. Ah ouais? Pour moi, s'il faut complètement péter la kiki comme 98,5% du temps. Et, le trident, c'est quoi? C'est un fil, non? Le trident, je sais plus. Oh là là, mes cours remontent. Ça fait longtemps. Confirmé dans le chat, ça me perturbe. Oh là. Prendre le temps là. Il faut que je retrouve le yaba machin là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est cool. Ouais, ok. Ouais. Il va bien y avoir cette plante quelque part. Ok, et là du coup on reprend quelle direction? Ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal. Ouest-sud-ouest, je crois que c'est ça. Je vérifierai après nos coordonnées, mais ça a l'air de faire un chemin, ça a l'air ok. Ça m'a l'air d'être intéressant. Regarde-moi ça un peu. Petite grotte. Incroyable. Puma dedans. C'est... Ouais, on va vérifier par contre ce qu'il y a. Scorpion à gauche. Ok. Tu veux te le faire? Oh là là, vas-y, vas-y, je le tente. Oh là là, fais gaffe. Ok, je te laisse. Tu sais que je peux le taper, je pense. Hein. Non, mais moi, lui lancer, ah, moi je le tente au lancer, moi. C'est bon. It's ok! GG! Attends, j'entends des trucs, y'en a pas un autre? Bon, y'a du fer en tout cas derrière, mais là j'ai pas assez de place pour le prendre. Ah ouais, ça traverse carrément. Oh, nouveau lieu! Bah, du coup, attends, on va vérifier où on est. Et tiens, t'as vu, y'a la plante là, ouais. Juste à côté de nous. Donc là, c'est la grotte ici, donc c'est juste à côté du point où on va aller. Juste qu'on remonte un petit peu nord-ouest. Donc on suit là à droite et on est bon. Tu me confirmes que toi t'as bien l'écorce hein? Tu l'as gardée? Alors. La fameuse écorce. Le bout de Banisteriopsis. Ouais. Je confirme. Ok, c'est nickel. That's the village. C'est le village, c'est en bas, la c'est musique. Ça? Ouais, c'est ça. Beau village, okay. Hein. T'as des champignons bleus ici, toi qui les aimes bien. Ah ça moi, regarde, moi je me fais l'autre côté de l'arbre. Hop. Deux suffiront, je pense. Voilà. Ouais, je vais pas aller de l'autre côté. Voilà. Ok, c'est pas mal. J'avoue que si on arrive au village, ça sent la fin un peu, ouais. Ouais. À 22h. Bah, fin de l'histoire ne veut pas dire fin du jeu, hein, de toute manière. Donc, bien sûr. T'avais le petit truc mignon que t'aimes bien là à côté. Petit truc mignon. Ah, le capybara? Ouais. C'est mignon ça. Enfin, c'est mignon. Bon, bah, y a plus qu'à sauter. Hein. Bah, écoute, après, toi. Ça va être comme l'eau, tu me regardes et je le fais.
Vas-y. Hé! Je me suis pété un truc. Hé! Hey, c'est étonnant. Mais je le savais, je voulais pas le faire, mais j'ai senti la pression sur ton regard. Du coup, je t'en mode. Je pensais que t'allais faire genre un truc ou quoi, je pensais pas que t'allais le faire réellement. Ben, j'ai senti la pression, j'ai fait meuf, fais-le. Non, mais j'ai mis un bandage et c'est bon, c'est terminé. Après, t'as bien fait parce que moi, je trouve aucun chemin. Eh, franchement, tu mets un bandage et puis it's ok, hein. Moi, c'est bon, je veux bien maintenant. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que je vais encore descendre un autre truc. Non, c'est vrai? Oui. Attends. Ah, là-bas, peut-être. Non, tranquille, tranquille, c'est bon. Tada! Ah bah il y avait la plante rouge juste à côté du village. Bon bah. Me dire. Oh, il y a un serpent à côté de moi, tu as failli me prendre. Attention hein. C'est pas si proche de la fin que ça doit mal finir. J'arrive hein du coup hein. Oh t'inquiète, je t'attends. Je reste c'est dehors. Un peu plus long. Je prends un peu l'eau comme toi je pense hein. Nouveau lieu. Ah ouais, j'ai voulu avancer une petite chouette, j'ai vu ça, je suis reparti en courant. Ah, je vois ton pseudo. Je savais pas de quel côté t'arrivais. Je vois la petite loupe sur toi. Non, je... Ah oui, parce que je m'inspectais, je pense. Ouais. Je vous attends, très cher. Descendez doucement, prenez le temps. Par contre, j'y vois plus rien, ça y est. Oui, bah écoute, je pouvais pas faire plus vite, hein. Ah non, mais c'était pas pour ça. Alors, faut escalader sur ça le toit. Oh non, je pense de faire le toit. C'est comme ça qu'on. Ouais. C'est là. Ah. Ouais, je suis là. Ouais, je pense là, ça passe à l'entrée. Mia. Mia. Mia, where are you? Mia. Mia, say something. Là. Ah. Ah. Un bol rituel. Mais c'est pas vrai. Ne me dis pas qu'il y a encore un bol rituel avec un petit feu nécessaire. C'est que. Tiens. Ah, il y a un serpent là. Tiens. Quoi, tiens? Fais le feu. Non, le, ah, le oui. Bout de regarde Dami, le machin. Ne le regarde pas. Oui. Oui, mais si je le regarde pas, tu comprends pas ce que je te montre. Alors, mais dis-moi moment, le nom. Prends le machin, tu me dis. Bah, il faut refaire bah, le feu. Tiens, de toute façon, c'est ça parti. Bah, je comprenais pas. Tiens, tiens, quoi? Le tiens, serpent. Il y a un truc à prendre. Alors, attends, je vais faire le feu. Oh, oups, il te reste des petits bâtons. Oh, bah, il y a une bûche à côté. Attends, je vais tout récolter dessus. J'en ai un peu, ouais. Allez, je vais faire le feu. Je gère, tu vous inquiétez faire pas. Sous la pluie, là. Oui, t'inquiète, ça passe. Ok, vas-y. Franchement, tranquille, hein. Et bah oui, bah, t'as déjà ce qu'il faut, donc je suis bête. J'ai donc, tout. Let's go, hein. T'inquiète. Bitch. Parti. Vous allez participer au final de Green Hell. Cette partie de jeu ne peut être jouée qu'en mode solo. Souhaitez-vous continuer? Oui ou non? Bon, ça fait chier ça, je m'en souvenais pas. Bah écoute, oui. Allez. Enfin! La enfin fin! Préparé! Putain, yes, ok. Eh ben, c'est fou parce que depuis tout le début de notre aventure, sur tous les jeux confondus, tes propos n'ont jamais changé. Ouais. Bah écoute... Maintenant que je suis en solo, j'aimerais bien ne plus t'entendre. C'est le bâtard. You're gonna miss them again. Chut. Mia, where are you? You'll stay here with me again. Is that what you want? No, no, not again. Tu peux choisir du coup ou pas? On peut choisir quoi? Bah dis c'est ça que tu veux. Moi non, en fait je préférais partir et pas rester avec elle. Je vois pas trop l'intérêt là. Je vais augmenter la lumino pour la fin. Just tell me what happened. You cured me. You gave me back. I could taste and smell again. I could eat. Without throwing up. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side the whole time.
Ouais, c'est un petit peu triste tout ça là. T'en es où là? Là, je suis devant le gâteau. Ok. I feel it coming back. En gros, ça c'est la fin. On verra après. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. I can feel the same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Every patient of Immolocorp became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. You left me here. You left me alone to die. You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? Mouais? What the... Tristan? What happened here? Ah, bah plutôt, oui. Everything we do makes the tribe suffer. I sold their secrets. It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? I don't understand. How long have you been here? Mia, you know I can't remember. Just tell me. Weeks passed. Eh ben dis donc, j'imagine que la deuxième fin doit être un petit peu plus joyeuse quand même. Everyone ouais, un peu plus, mais je connais plus trop la finalité quand même. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget. Start again. I need you. Cet amphibien le plus mortel au monde. For me. Please. Le fameux. I can't stand it. Il y a une fiche. Ah, bah pour ma mort sur le jeu en fait. Ton champ cinématique du coup. Ok. Toi, elle est où voilà. Tu me diras, t'es où là? Dans la tente? Là, je viens de prendre le talkie. Ouais. Ok, bah tu pourras. Ok, dès que t'as fini la séquence de talkie, tu me dis.
Ok, bah là je suis à l'hôpital du coup. Ok, bah vas-y, avance. On passe vraiment d'un truc à l'autre là. Bon, je teste pas toutes les portes, j'imagine que c'est celle d'en face. Tu me dis quand t'appuies sur la porte. J'ai appuyé sur la porte. You? Are you? What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? I'm sorry. I don't have a cure. I just wanted to find you. Then come. I'm waiting for you. Ah mince, je peux pas bouger. Ah merde. Ah, la porte, tu retournes. Mia? At last! You found me. Isn't that what you wanted? What? Can you feel him watching? What the fuck? Just calm down. Nothing else mattered. And even though you don't want to remember, you didn't stay at the airstrip. I wish I could. I swear. Please, let's get back to the airstrip. Where are you? You are pathetic. Where I've been all along. Tu te juges tous, hein? God damn it! If I lose you, then everything here was for nothing. You can't save her. You killed them. Look at them. Look at all the people you killed. We'll fix all of this. How many times have you failed? Jake, give up. Please, just give up. Just give up. Go away! Please stop. How many times have you been here? I said stop. How many times have you tried? Stop it! You can't save me. There is no one you can save. You can't even save yourself. Oh, that hurts, doesn't it? Leave me alone! Just the way you left her? Alone in the hospital, waiting to die. She begged you for mercy, and you left her! I wanted to fix this! Will you? Oh, don't listen to her. You can't fix it! Yes, I'll find the cure. Just give me another chance. There is no cure! Then go. What are you waiting for? I'll fix this. Wait for me. Just a little longer. I swear. Get back here. Fuck. You can't fix it. Fuck. No, no.
Eh ben, quelle histoire! Quelle fin! Oh là 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 là! C'est horrible, hein! Moi, je suis chaude pour faire la deuxième ending. Et notre save était juste à côté de la tente, du coup. Donc là, ça veut dire... Ah ouais. Tu veux me dire, là, il faut juste une grenouille, on est OK, en fait. Ouais, hein. La grenouille bleue. Oh! Attends! Une tortue? Ça marche pas, une tortue? J'en vois une! J'en ai une rouge! Oh putain, je l'ai chopée et je cours! Vas-y! Oh, je l'ai! Oh putain! Oh la vache, je suis pas bien! Mets-toi le bandage! Vite, mets-toi le bandage maintenant! T'es où? Reviens! Elle est où? Ah putain, attends. Je vais foutre vite un bandage! Attends, je vais. Un bandage tabac! Ah putain, j'ai pas, je cours! Je viens de prendre un doliprane! Je viens de prendre un doliprane, je cours vers toi! T'es où? J'arrive! J'ai longé la côte! J'arrive, voilà, tu vois mon pseudo ou pas? Oh, c'est j'ai la grenouille! Ouais, attends, je suis en train de mourir, je crois que j'ai entendu un croco vers la bouteille. Oh putain, je cours et je mets l'antidote, non? T'en penses quoi? On met l'antidote? Direct? Attends, j'arrive. Faut que je m'inspecte. Merde. Attends. Qu'est-ce que j'ai? Où tiens, ça? Essaye ce bandage. C'est que je te le donne. T'es à côté de moi, là? Ouais. Tiens, essaye ce bandage, là. T'es où? Ok. Regarde pas. Je regarde pas. C'est la panique. Je dois le mettre. Vas-y. Où ce bandage, tu vois? Ok. Ah, c'est dégueulasse. Ça marche ou pas? Attends, il est où? Il est là. Ça marche. Yes. Et voilà. Par contre, ma vie... Attends, ça va peut-être se stopper. Vas-y, on va courir. On y va maintenant, non? C'est bon. T'es sauvé. T'es sûr que je suis sauvé? Parce que j'ai encore le logo tête de mort et 4 écrit dessus. Ah, t'es peut-être pas sauvé. Bon, je vais reprendre un doliprane, moi, je pense. Ah, moi, j'entends des bim, 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 bim. Je suis pas bien non plus. D'avoir repris le doliprane, ça a tout stoppé. Ça a tout enlevé. Oh là là. Oh là là, mais les cracks, hein. Incroyable. Les cracks, j'ai envie de dire. C'est incroyable. Allez, rentre. Ouais, je confirme que c'est vraiment instant hein, la douleur hein, dès que tu la chopes. Par contre, moi j'ai 2 PV, j'aimerais bien que ma vie remonte parce que sinon, dans la cinématique, ça va remonter là, tu crois? Bah oui, je pense. Ah, cette cinématique là, je sais pas. Vas-y, je la pose. Oh là, les bim bim dans le cœur, si je les ai. Regarde pas. Ça va être chiant. J'essaie de faire l'animation de. Vas-y, mais ouais, elle est gigantesque! Non. Attends. Pas pour moi. Ma POV. Attends. Bouge pas, je te fais un screen. Est-ce que je peux pas... Attends, si je te fais ça, ça te fait quoi? Ok, je t'ai fait un screen, tu regarderas plus tard sur Discord. Elle est elle est très grande. En avant fait, que tu la voyais si grande. Parce que là, du coup... Par contre, n'oublie pas que c'est toi qui vas charger quand je vais t'attendre de l'autre côté. Moi qui vais charger quand tu vas m'attendre. Oui, en gros, si tu mets un coup avant, je peux t'attendre de l'autre côté, quoi. Non, mais t'inquiète. Allez, vas-y. Je regarde pas, vas-y. Fais-le. Ça marche! Oui! Allez, ça. Attends, parce qu'on n'a pas vu échantillon que ça marche. Hein. Allez, succès! J'ai jamais autant regardé un écran de ma vie! Succès! Allez! Yes! Va! Et boum! Prends ce remède! Le remède! Prends cette chose tout de suite et ne la casse pas! J'ai un remède! Oh, on peut parler! Vas-y! J'ai le remède! I found it. Answer, please. I have a cure. Come on. God damn it, speak to me. Alors, on va lire. Are you? What happened? You didn't listen. Mon chat, did c'est you? Maintenant. C'est maintenant qu'on le fait. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Ok. Did you get what you wanted? Moi j'ai pas encore eu l'interaction. J'ai le remède. Alors, t'es? J'ai le remède. Yes. Allez. I have the cure, and now I know where to find you. Then go. What are you waiting for? Ok. Et là on va lui donner le remède.
C'est où qu'on lui donne ? Il doit y avoir une connerie à côté d'elle pour mettre le remède. Là, je repars pas sans lui avoir donné le remède. Hein. Elle va le bouffer le remède, moi je te le dis. C'est où que ça se met ? Je suis pas infirmière, moi ! Dans la perf ? Ouais, elle est pas trop reliée à elle, la perf quand même. Mais ça se met où ? Il faut passer la porte ? Je repars pas tant que je lui ai pas donné le remède. Hein. Mais je vais lui faire bouffer ? Moi je passe pas la porte non plus. Hein. Si, vas-y, toi tu passes la porte. Vas-y. Non, je passerai pas la porte. Hors de question. On vient de dire qu'on avait le remède, donc on va sûrement lui donner automatiquement en passant la porte, je pense. Tu penses ? C'est juste que là, on a trop peur, parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire si on se loupe, mais... Ok, mais bon, bah vas-y, je vais le faire. Je pense qu'il faut passer la porte, tu vois. Oh putain ! Oh non ! Oh, c'est bon, je m'étais coincée au fond du mur à droite ! J'étais coincée contre les machines ! Bon, vas-y, je passe la porte, allez, hop. Ah, c'est bon, j'ai trouvé, c'était là. C'est la machine de droite, là, du coup. Oh, j'ai failli passer la porte, purée. Non, je rigole. Je pensais que tu l'avais déjà passé, je voulais te faire valiser. Je suis un gamin. Putain. Je suis tellement un gamin. En fait, on est vraiment fait pareil, hein, c'est incroyable. Bon, bah, je passe la porte. Je me suis coincé. Ah, bah, toi aussi. T'es dans le même coin. Je suis vraiment coincé. Il faut que tu passes de côté. Quasi. Bon, vas-y, je passe la porte, hein, je vais voir. Je vais la passer aussi, je pense, de toute façon. Bah, je vais attendre de voir ce que t'as, mais dans le doute, vu que tu la passes avant. Je passe. J'ai trop peur. Vas-y, je passe la porte. 3, 2, 1. Non, mais en vrai, go. 100%, je pense qu'il faut la passer quand même. J'ai trop peur de le faire, mais je pense que c'est ça. On a déjà changé le dialogue en disant qu'on avait le remède, donc. C'est ok pour toi, hein ? Passe la porte ! Je suis revenu. Okay. Il va falloir qu'on aille à pattes à la piste. Ah oh, putain. Quoi ? Ah, c'est maintenant où ouais, on va à la piste. C'est maintenant. C'est ça qui change. Attendre de l'aide sur la piste. Retourner à la piste maintenant, c'est écrit. Je vais juste remonter un petit peu là du camp, c'est tout. Attends, j'ai un écran noir. Attends, ouais. Voilà, tiens. Oh, mais... c'est la fin. Donc, pas besoin de revenir, pas besoin d'y aller nous-mêmes. Non, non, pas besoin d'y aller, c'est bon. Putain, ça a été conçu pour moi. I got what everybody's been looking for. Did I hear you correctly? Say again, over. Yes. Yes, you heard me right. I have the cure. A cure? Oh my god, are you certain? I'll send somebody right away. You know how hard it is to get permission these days? Christ. Is this really over? Just hurry. I wanted to say goodbye to you. You think I'm still waiting for you? Yes. You're a fighter. Direct comme ça. You know, you could always Attends, moi, c'est pas fini. Come back. Ouais, je vais finir, du coup. To me. I really hope that this won't be necessary. Hey, Mia. Goodbye. Goodbye, mi amor. C'est la fin là. D'accord. Ouais. Bon, alors, je vais être honnête, parce que vous savez que je suis quelqu'un d'honnête avant tout. Eh ben, j'ai trouvé que c'était de la merde cette deuxième fin par rapport. Et qu'on a passé beaucoup de temps pour une fin de merde par rapport à la première ending. Alors, attention, d'un côté, alors je suis d'accord, parce que même dans mon chat, ils sont tous en mode, ouais, tu sais quoi, machin et tout. Mais moi, je suis en mode, mais quoi, c'est juste ça la fin et tout. Mais d'un autre côté, il faut pas oublier un truc important. C'est que cette deuxième fin, on n'était pas censé avoir fait la première avant et on n'était pas censé avoir eu tout ce qu'on a passé avant. Parce que là, on a speed masse de choses. Donc en vrai, la fin était quand même longue. Parce qu'en fait, il y a eu plein de choses avant. Ouais, mais la finalité de... Tu vois, donc il y a plein de choses qu'on a quand même passées. Après, oui, la finalité, c'est un peu... Voilà, mais du coup, là, il n'y a pas le côté... le côté, on est dans le... Justement, on reste dans le... Dans une boucle. Dans la forêt, hanté par nos démons et tout ça. Il n'y a plus cet aspect-là, là, du coup. Bah, moi, je trouvais ça juste... Ouais, moi je trouvais ça justement plus stylé la première, où tu comprends à la fin bah, qu'il revit en boucle la même chose et qu'il accepte pas la mort de sa femme. Et là, si j'avais eu cette première fin là, je pense que j'aurais été en mode, bah du coup elle est morte et le remède, il a servi à quoi du coup dans cette histoire ?
Parce qu'il lui a mis le remède, mais en fait, finalement, elle est quand même morte. On s'est vraiment fait chier. Bah. La fin m'a fait verser une larme, juste le fait de dire adieu à la femme qu'il aime. Ah oui, ça, je suis d'accord. C'est, ça reste un très joli jeu. Mais je préfère, moi, personnellement, c'est un avis personnel, je préfère la première fin. Je sais pas, en vrai, parce qu'en fait, je suis pas sûr d'avoir bien compris la deuxième, pour être honnête, tu vois, au risque de paraître idiot. Parce qu'en fait, vu qu'il lui dit adieu, mon amour, et en gros, merci, merci de, tu sais, de m'avoir aidé, machin et tout, je sais pas si c'est le remède qui m'a pas marché, machin ou quoi, ou plus, moi, je l'avais compris plus en mode... En gros, en fait, sa femme était déjà morte. C'était déjà fichu quand il cherchait le remède, tu vois, un peu. Ouais. Et du coup, le remède, je le comprends que c'est grâce à sa femme qu'il a eu la force de chercher ça et qu'il va sauver des millions de vies grâce à ça, plutôt, tu vois. Mais je sais pas, en fait, je suis pas sûr de la compréhension, tu vois, de la deuxième fin, du coup. Vu que la femme est morte, mais que ça paraît être une happy end en mode il repart, il a le remède, tu vois. Moi, je pense que de toute façon, ouais, elle est décédée. Moi, je l'avais compris un peu comme ça, tu vois, dans ce style-là. Mais je suis pas sûr, du coup. Donc à voir. Moi je pense qu'elle est morte. Ouais, n'hésitez pas le chat à donner votre avis sur le jeu, ce que vous en avez pensé, si vous avez préféré l'ending 1 ou la deuxième ending. Mais je pense qu'elle est morte pendant que lui était en train de chercher le remède. Moi je pense vraiment qu'elle est morte à ce moment-là.